Imagineriez-vous, dans une officine, qu'une personne se serve seule, qu'elle paye son médicament et que personne ne lui donne un conseil? Bien sûr que non. Tout simplement parce qu'un médicament n'est pas un produit comme les autres et tout simplement parce que vous êtes un pharmacien, un professionnel de santé qui ne se contente pas de faire passer une boîte d'une main à une autre. Quand vous délivrez un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale, vous savez que vous avez un devoir particulier de conseil. Et le public le sait. C'est pour cela qu'il a confiance en vous et dans vos officines. Il sait que le diplôme de docteur en pharmacie n'est pas la seule garantie. Il sait que vous suivez un programme de développement professionnel continu chaque année. Et il sait que la Croix-Verte signale un lieu de santé dans un contexte de santé. Exercer avec qualité, c'est donc répondre à ses exigences de santé et c'est renforcer l'image et la notoriété de la profession. Pour vous accompagner dans votre démarche qualité, dans la continuité des actions déjà menées par la profession, l'Ordre national des pharmaciens lance un nouveau programme. Un programme qui vous permet de vous évaluer et de bénéficier d'un regard extérieur, au comptoir et derrière le comptoir. Concrètement, vous pourrez évaluer l'organisation de votre officine avec le nouveau site EQO et, si vous le souhaitez, la faire auditer par des conseillers ordinaux. Vous pourrez également évaluer votre accueil pharmaceutique des patients sans ordonnance avec le site AQO et utiliser avec votre équipe le retour personnalisé que vous fera le patient qualité en vous disant ce qu'il a vu, entendu et perçu au cours de sa visite. Dans ces périodes difficiles, chaque pharmacien peut dire « je n'ai pas le temps ». Mais chaque pharmacien peut aussi dire « non, la qualité, j'en fais une priorité, ma priorité ». Tout simplement parce que la non-qualité est doublement mortelle. Mortelle pour le patient, bien sûr, mais également mortelle pour la profession. Et la qualité, c'est chaque jour un défi. Sans une mesure régulière et sans un miroir, il est difficile de progresser. Et c'est l'objet de ce programme. Je sais que la qualité d'exercice et la sécurité de vos actes est votre ambition pour vos patients. Nous partageons votre ambition. Cette ambition collective est la raison d'être de notre profession et de sa mission de service public. Et c'est notre fierté.